Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel, de retour sur Amber's Airline 7 Wonders. Alors, je vous présente Amber, notre chère hôtesse de l'air, au grand cœur qui tient dans ses bras le journal de la Discord. C'est le journal qu'elle a perdu et qui a mis dans le trouble un peu Snug for Airline, la compagnie pour laquelle elle travaille. Nous avons ici Clark et David, les deux hommes de sa vie. Elle est amoureuse des deux en même temps, donc on essaye de voir si Amber va faire un choix ou pas. Et puis ça, c'est la nouvelle pilote de l'avion. Ça, c'est le nouveau love interest de David, mais David préfère quand même Amber. Et ça, c'est notre couple Amber, Faith et Esther. Est-elle? Mais Faith est décédée il y a quelques jours, donc nous sommes tous et toutes tristes. Et ah, j'avais oublié qu'on avait bientôt fini la cité perdue de Petra, donc on va bientôt découvrir Rio de Janeiro. C'est trop bien. Alors, Amber Airlines, c'est un jeu de gestion du temps, donc vous avez plein de choses à faire, cliquez sur plein de trucs et tout, et le but du jeu c'est d'avoir le plus de points en réussissant à faire tout ce que vous avez à faire. Et Gamehaus, ce qu'ils font, c'est que bah, ils ont inséré une histoire dessus, et le jeu là, pour le coup, donc c'est une commande de Gamehaus auprès d'un développeur de jeux français, Old Skull Games, et donc c'est eux qui ont fait Amber 1 et qui ont fait Amber 2, voilà. Et là, du coup, Amber, qui a perdu son journal, va aller prévenir les autres que c'est à cause d'elle. Je dois vous dire quelque chose. La raison pour laquelle les médias en savaient autant, c'est parce qu'ils avaient dû lire mon journal. Mais c'est maintenant que tu nous le dis? Tu vois, je te l'avais dit, on peut faire confiance à personne. Quoi, c'est tout? C'est ça vos réactions? Ok, j'ai besoin d'un peu de temps. Bah dis donc, c'est expéditif. Oh là là. Amber, que se passe-t-il? Ça, c'est son père, on suppose. J'ai juste... Je veux dire, c'est leur expliquer. J'ai tout mon temps. Oh, je sais que c'était pas ma faute, mais j'aurais dû le leur dire bien avant. Oh, pourquoi avoir gardé ça pour vous si longtemps? Je pensais pouvoir m'en sortir toute seule. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide, Amber. Ça fait penser à Amélie Poulain, vous savez, à un moment donné, le film. C'est un de mes films préférés de tous les temps, et en fait, Amélie Poulain, elle s'arrange toujours pour arranger la vie des autres, mais à un moment donné, dans le film, se pose la question de savoir, mais elle, qui va l'aider? Voilà, c'est ça. Je sais, mais d'après ce que j'ai vu pendant le voyage, je pense que vous pouvez compter sur vos amis. Vous avez toujours été un peu solitaire, n'est-ce pas? Et au revoir! Merci, c'est gentil. Eh ben bravo! Pas très sympa tout ça. Bon, attendez, je crois que le micro est un peu trop fort. Ouais, non, c'est bon. Voilà. Eh ben écoutez, on va acheter 6. Non, on va économiser, tu vois, pour la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ne retire aucun article plutôt. Bon, comme je n'en retire jamais, tout va très bien. Allez, bah, on se retrouve à la fin de la journée. Hein. Ah, voilà, voilà, c'est la fin de la journée. Magnifique, magnifique. Alors, je vends des tapis. J'ai... Oh, il va perdre son cœur, ça, c'est foutu, j'avais pas vu. Vite, vite. Ah, zut, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, je le fais tout de suite. Ouais. Voilà, on fait... Comme ça, et voilà, j'ai fait pile poil le bon nombre de pas. Allez, va t'occuper du monsieur, et comme ça on a terminé. Bon, bah écoutez, je suis très curieux d'aller au Brésil, voir Rio de Janeiro, quoi. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'encaisse, j'ai perdu du temps, zut, là je suis un peu bête. Voilà, et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas Rio de Janeiro, la capitale du Brésil, mais c'est tout simplement Brasilia. Oh yeah! Ah, panif, parfait. Bon, grâce aux aveux de l'employé, le nom de Kyle a été blanchi. Nous allons renvoyer notre programme de surveillance des employés. Excusez-moi, Monsieur Patterson, un commentaire? Je n'ai rien à rajouter. Moi, c'est... Qui êtes-vous? Je m'appelle Adrian, je suis ancien steward, aujourd'hui agent de sécurité. Vous avez trouvé juste... Vous avez juste trouvé un journal intime qui traînait et vous l'avez déformé pour faire les gros titres. Vous vous moquez de la vérité, vous voulez juste vouloir faire un scoop. Vous avez accusé un pilote d'un terrible accident sans aucune preuve. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Non, 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 ça va, d'ailleurs, sans commenter une seule fois ce que vous avez à le dire. Parce que nous ne sommes pas respectables. Amber, est-ce que tu vas bien? L'équipage a l'air crispé. Ah, oh, je vais bien, ne t'inquiète pas, c'est temporaire. Oh, d'accord. Au fait, Amber, je voulais te dire, ce type aux cheveux gris, je pense que c'est... Je sais, je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire tous les deux. Ah, oh, elle est intelligente. Depuis quand le sais-tu? Oh, je l'ai compris tout à l'heure, je sais que ça a l'air fou. Oh, non! J'ai aussi mis plusieurs jours à le reconnaître, il a tellement changé en combien? 10 ans? 16 maintenant. Ah, le père! Bon, allez, on s'en fout, vite. Ah, ah, ouais.
Attendez, là c'est bon, j'ai toutes les gemmes. Oui, laisse-moi tranquille, Aïe, il me manque une gemme ici, Ok, une gemme au Colisée. C'était le début, le Colisée, ouais, je crois. Ah, vite. Ah ouais, alors attendez, on va quand même changer de vêtements. Oh, welcome back. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va... Oh, bah, bien sûr, les couleurs du Brésil. Les chaussures du Brésil. On va garder la couleur du chapeau de Jordanie, histoire de dire... Ah non, tenez, on va... Oh, non, on va laisser comme ça pour dire comme... Comme d'habitude que notre corps est au Brésil, mais notre tête est encore en Jordanie, où nous avons passé des moments merveilleux et magnifiques. Voyons voir. Cycle de la vie. Oh là là. Oh, c'est un pipi. Cher journal, je n'aurais jamais imaginé que ce voyage puisse être aussi intense. Elise a perdu les os dans l'avion et je l'ai aidé à accoucher, c'était la première fois. Mais je me suis assez bien débrouillé. C'est peut-être la dernière aussi, tu sais, c'est pas le genre de truc qui arrive souvent. Genre mode, wow, c'est la première fois que ça m'arrive de faire accoucher une femme dans un avion. Le bébé est né prématurément, mais nous avons réussi à la stabiliser jusqu'à son arrivée à l'hôpital. Tenir ce petit corps dans mes mains, c'est comme si le temps s'était arrêté. Très bien, bon bah écoutez, on va faire l'avion. On va faire deux petits épisodes d'avion. Et ensuite on va pouvoir être... Ouh. Ça, c'est truc brésilien. Bon, des haricots rouges, je veux bien. Mais ça, là, je connais pas du tout. Alors, si on a des amis brésiliens ou qui connaissent bien le Brésil, qui ont déjà mangé là-bas, dites-le nous. Salut tout le monde. Je voulais m'excuser de ne pas vous avoir parlé plus tôt du journal. Amber. Non, s'il te plaît, laisse-moi finir, Pamela. C'est important. J'avais peur de votre réaction, mais ce n'est pas une raison pour vous mentir. Je comprendrais si vous ne me faites plus confiance. Amber, nous avons été un peu durs avec toi, tu ne le méritais pas. En y repensant, même si tu nous l'avais dit, nous n'aurions pas pu y faire grand-chose. Je suis juste triste que tu aies pensé de ne pas pouvoir nous faire confiance en retour. Parce que tu peux. En même temps, on aurait peut-être gagné du temps si on avait su que c'était dans le journal, quoi. Je ne suis pas furieux contre toi, juste contre ce journaliste. Si je le retrouve... Oh, vous êtes là, vous avez vu les infos? Kyle a été innocenté! Wouhou! Oh, la vraie histoire du crash de Snakeform! Un contrôleur a admis en être la cause, et Kyle est complètement tiré d'affaire! En même temps, il y a un pauvre mec avec sa famille et tout qui est détruite aussi, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah, j'ai hâte de revoir Kyle! Enfin, je suis contente qu'on puisse oublier tout ça! Oh, et maintenant, route pour Rio! Ah, bah toi, tu vas t'en aller, ça veut dire. Ne rigole pas trop, hein. Quoi, on n'a pas le temps de se préparer? Servez les assiettes en moins de 5 secondes pour qu'elles restent chaudes. Mais madame, je ne sais même pas où elle veut aller. Tu me gênes. Voilà, voilà, voilà. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, oh là là. Toi, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Regardez, moins de 5 secondes. Et hop, hop, hop. Blu. Ouais, parfait, parfait. Vas-y, dis-moi que tu veux manger toi aussi. Non, tu veux juste un petit globe. Ah, on va retrouver le Brésil. Je vais vous montrer où c'est. Voilà, le Brésil, bah c'est là. Voilà, c'était simple. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Attendez, on verra ça la prochaine fois. Qu'on en reparlera. Alors attends, toi tu veux ça, 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 ça a l'air trop bon ce truc. C'est quoi ces petites meringues chocolatées? Oh là 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 là. Pourquoi il y en a qui mangent là, il y en a qui mangent là? Bizarre. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh yes, elle veut regarder. Ah bah dis donc, c'était recharge rapide, j'aimerais bien que mon téléphone soit aussi rapide. Hein. Alors attendez, le prochain qui demande un globe. Alors attendez. Oh mince, j'ai pas rechargé. Vite! Ah non, 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 non. Donc ça, ça, ça. Voilà, voilà. Bim, madame, elle veut ça. Voilà, allez, on appelle quelqu'un parce qu'on est stressé. Hop là, ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Tchouk, 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 tchouk. Alors, attendez, hop, hop. Ah, mon Dieu, les gens, ils font la queue, là. Il faut que je les fasse partir. Bon, toi, tu vas aller là. Monsieur veut un café. Voilà, parfait. Et là, je vais pouvoir envoyer tout le monde dehors. Hop là. Voilà, toi, tu viens là. Oh, awesome. Wop, wop, wop. Ah, petite souris, tu es là. Ah, bah, quand est-ce que les gens me commandent... Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de lui donner le petit chargeur de téléphone. Hop, ça, ça, c'est là. Ouais. Ah ouais, elle veut ça. Zoom, et hop. Voilà, hop, hop, hop. Allez, allez, je veux un globe, là, pour que vous montrez. Bon, bah, c'est pas grave, on se retrouve dès qu'il y a un globe. Hein. Ah, bah, enfin, dis donc, c'est bientôt la fin de la journée, et seulement maintenant, j'ai mon truc, là. Alors, je vais vous montrer. Regardez. Je sais pas si vous avez remarqué. En fait, les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique sont coïncidentes.
ça veut dire elles se concordent l'une dans l'autre. En fait, bon, elles sont complémentaires. Je sais pas comment dire en fait. Et en fait, ça c'est ce qui prouve qu'en fait les continents, ils étaient collés avant. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler de la Pangée si vous avez été à l'école. Je dis ça parce que la dernière fois j'ai vu passer sur Twitter un mec qui a montré une photo des deux continents rapprochés et il demande si c'est une coïncidence ou si quoi, et à notre avis ce que ça veut dire. Et en fait tout le monde s'est un peu moqué de lui en mode mais mec t'as pas été au collège comme tout le monde et tout, c'est trop drôle. Attends, on va faire ça parce que je veux faire des... Voilà. Donc c'est rigolo. C'est très bien. Bah moi je me rappelle pas quand est-ce que j'avais étudié ça, mais après je me rappelle pas si c'était au collège, j'en sais rien. Si peut-être. Si, je sais plus, j'avoue que ça me dépasse. Et vous alors, est-ce que vous saviez que avant tous les continents n'en formaient qu'un, et que genre par exemple les États-Unis étaient collés à l'Afrique du Nord, l'Amérique du Sud était collée à l'Afrique, la partie du Sud, que l'Europe et l'Afrique étaient plutôt séparées, et qu'ensuite ils se sont rapprochés, c'est pour ça que la Méditerranée est en train de se fermer, genre par exemple, et que l'Inde était... Eh ben d'ailleurs on est allé en Inde, était séparée de l'Asie et tout. Ah ouais, ça me rappelle mes cours du collège en fait, c'est ça. Et eh ben, si vous le saviez pas, et eh ben, c'est cool. Et si vous le saviez, et eh ben, pouce bleu pour Amber qui nous fait découvrir les joies de la tectonique des plaques. Amber, pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Tu n'as plus besoin de faire semblant, papa. Oui, oh, je suis choquée. Alors attendez, moi j'ai une question parce que regardez, c'est Amber, Elise et Pam. Comment est-ce que en anglais ils ont traduit le tu? Ah mais parce que c'est des Français qui ont fait et ensuite ils ont traduit de l'anglais au français. Tu as tellement changé depuis la dernière fois, j'étais à peine reconnue. Écoute Amber, je voulais vraiment t'en parler. Pourquoi tu as pas attendu qu'après moi aussi je me suis embrouillé? Avoir attendu toutes ces années? Pourquoi j'ai pris un accent? Je ne sais pas. J'avais honte. Quant à ton frère, quand ton frère était cédé, j'étais en Australie pour le travail. Je n'ai pas pu être à ses côtés. Et je n'arrivais pas à me le pardonner, j'avais l'impression que notre famille s'était écroulée. Rien ne serait plus comme avant. Bah oui, tu nous as un peu abandonné, ta fuite a été lâche. On a besoin de toi papa. Je sais, je suis tombé dans une spirale infernale. J'ai eu besoin de l'aide de spécialistes, j'ai mis tellement de temps à m'en remettre. J'ai appris à me libérer de cette culpabilité, mais j'avais trop peur de ta réaction après toutes ces années. C'est pour ça que ta mère... Quoi? Ah! Maman le savait? En même temps, c'est gentil de sa part, je comprends certaines choses maintenant. J'ai gardé une photo de toi sur mon porte-clés, tu sais, je la regardais tous les jours. Ma petite batteuse était devenue une femme belle et intelligente. Je suis si heureuse que tu sois de retour, papa. Ah, dans mes bras. Bah, c'est un peu bizarre, le mec, il contacte son ex-femme, il contacte sa fille, tout ça. Bon, bah, moi, tout est bien qui finit bien. Ok. Eh bien, est-ce que je peux m'acheter les... Non, je peux pas m'acheter les nouveaux vêtements. Hein. Le nouveau chapeau. Ah bah non, de toute façon, je suis pas encore arrivé au Brésil. Allez, super. Bon, cette fois-ci. En part, a l'impression que Pamela est triste. Oh, ça va, elle s'est fait plaquer par un mec. Vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et toi? Serre-moi du vin! Vous devez le payer. La compagnie n'offre qu'un verre par voyageur. Tu me refuses tous mes privilèges. Vous êtes un passager comme les autres. Pas de traitement de faveur. Pourquoi pas mis après tout ce qu'on a traversé ensemble? Bon, maintenant ça dégage, hein. Monsieur, je pense que vous avez déjà assez bu. Si vous désirez autre chose avant notre arrivée, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ouais, c'est ça. C'est bien, Pamela. Montre ce que t'en as dans le ventre. Voilà, il faut qu'on parle. Fabio n'était qu'un crétin. J'espère que Karen le verra comme ça. J'ai vraiment besoin de ce travail. Ne t'inquiète pas, reste avec moi. Tout va bien se passer. Ah bah. Quoi? Elle avait dit qu'il fallait qu'on parle. Et toi, t'es en mode. Attends, devoir recharger. Ah, il faut que je l'empêche de perdre son moral. Ok, bon bah c'est classique. On se retrouve à la fin de la journée là. Oh non, j'ai oublié Pamela. Oh, pauvre Pamela. Ah mais alors décidément, alors ça c'est genre de... C'est vraiment le genre de défi, j'y arrive pas du tout. Hein. C'est quand ils sont dans un coin là-bas, comme ça. Je suis tellement concentré par le jeu, laisse tomber. Bon bah, désolé Pam. Hein. Je suis une très mauvaise amie. Bon, ça m'empêchera pas d'avancer dans le jeu, mais quand même. Désolé. C'est où le Brésil? Oups, celle-là. Ah, en plus ça clignote. Oh, bah dis donc, vous me prenez pour un assisté ou quoi? C'est bon, je connais ma géographie. Hein. Ah bah fin du service, désolé Pamela, désolé. Regarde-moi au Brésil. Regarde-moi au Brésil, rien pour toi. Voilà, Brésil. Samba de Janeiro. Je sais pas si vous connaissez cette chanson. Je chante tellement bien. Oh purée. Oh là là, oh là là, ce score extraordinaire. Ah oh, bah alors, ok.
Ah, bonjour monsieur. Ton service ne pourrait pas durer éternellement. Qu'est-ce que je vais faire, Amber? Karen va penser que c'est de ma faute. J'aurais dû t'écouter plus tôt. J'aurais dû voir qu'il était malsain. Oh, ce n'est pas ta faute, Pamela, c'est lui qui t'a manipulé. Mais maintenant, je risque d'être renvoyé pour être sorti avec un passager. Renvoyé? Mais qui t'a dit ça? Fabio, il a dit que les relations avec les passagers étaient interdites. Oh, alors pourquoi ne m'a-t-on pas renvoyé depuis longtemps? Fabio t'a menti, Pamela essaie de t'isoler pour que tu dépendes de lui. Oh, je vais lui faire regretter. Parfait. Montre-lui qui c'est la chef. Ah, bah, voilà, forcément, hein, qui dit Brésil, dit cocktail. Ah bah boisson fruitée parce que bon, hein, on a des enfants qui nous regardent et que l'alcool est interdit au moins de 18 ans. Du coup, bah on va faire des combos de service. Et bah ça c'est ce que j'aime bien faire, c'est comme ça qu'on a le plus de points, donc ça devrait le faire. C'est quoi ça? C'est des olives? Non, c'est quoi? C'est des perles pour faire des bracelets magnifiques. Et ça, ah ouais, alors bon. L'ananas, c'est pas ma grande passion, en vrai, j'avoue. Et encore moins sur les pizzas. Ouais, si jamais vous mangez de la pizza à l'ananas, je vous raye définitivement de ma liste d'amis. Voilà, je rigole. Mais c'est vrai que je déteste ça en fait. Mais après, je ne déteste pas les gens qui aiment ça, je veux dire. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut, n'est-ce pas? Alors, du moment que ça n'empiète pas sur les autres, n'est-ce pas? Donc, vous avez le droit de manger votre pizza à l'ananas à côté de moi. Du moment que vous me laissez manger ma magnifique pizza au pepperoni. Bon. Digression, ça sera coupé au montage, certainement. Ok, Rio est officiellement ma ville préférée au monde. Ah, oh, là, téléphone qui sonne, c'est qui? Oh, c'est James! La mère et le bébé vont bien! Merci encore pour ton aide, Amber! Oh, ça me fait tellement plaisir, il a aussi envoyé une photo. Oh, là, les yeux de son père, le sourire de sa mère. Quelle petite beauté! Non, mais ça va, le bébé, il a même pas 3 jours, enfin, je veux dire, c'est... Ok. Juno.exe, what the hell? J'ai pensé que vous aimeriez être les premiers à essayer mon nouveau jeu. Oh, ça s'appelle Juno, devenez comment nous avons appelé notre bébé. Oh, il a appelé son jeu comme sa fille, c'est trop mignon. Oh, peut-être que quelqu'un devrait aussi faire de moi un personnage de jeu vidéo. Oh, il vient de briser le quatrième mur, magnifique. Renvoyez-leur une photo de Rio, c'est tellement génial ici. On s'en va sans dire au revoir parce que la vie est belle. Ouh là là, les gens, vous êtes chauds comme la braise. Oh là là, mais vous dansez, le gros cliché. Alors ça, c'est quoi? Mélinininini. Ah, elle n'accorde aucun bonus, mais elles sont tellement plus jolies. Ah bah bravo, ah bah bravo. Les cocktails plus rapidement. Les voyageurs se déplacent plus rapidement. Y a pas un truc qui augmente la patience? Ah. Y'a rien qui augmente la patience, c'est la déchéance, Rio de Janeiro, là. Bon, on va augmenter la patience des voyageurs qui arrivent par là. On va augmenter les baffles qui augmentent. Ça ne veut rien dire, hein. On va augmenter les baffles qui augmentent, mais c'est pas grave. On va faire ça. Et on va augmenter ça parce que c'est beau. Oh, magnifique! Bon, on va jouer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Oh, tout. Ah ben, viens danser, madame. Viens danser avec le jazz band et les copains, là. 3 petites paires. Toi aussi, tu viens danser. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux les maracas, magnifique. Je te les donne. Ah bah toi, d'un coup, t'as envie de t'asseoir. Ah tiens, bah y'a ta copine qui vient d'arriver. Vous avez... Oh, regardez le faire. Et c'est trop drôle. Attendez, excusez-moi. Ah, qu'est-ce que? Sert des cocktails aux voyageurs. Clique au bon moment pour arrêter l'écoulement de la bouteille. Et ensuite, fais glisser le verre pour le passer sur la seconde bouteille. Ah, hop, la boum. Ok. Yes, j'ai tout compris. Allez, encore. Ok, il faut faire des combos, On va combotiser. Ok, bon, toi, tu veux un petit cocktail caipirinha, là. Attends, on va faire ça, là. Je clique. On va refaire un de plus, tiens, en attendant. Ah, mon dieu. Alors, attends, on va attendre que quelqu'un d'autre veut quelque chose. Je parle bien à la France. Bon, dépêchez-vous, là. Les gens, là. Allez, hop, on se dépêche, là. Donc, le monsieur veut des maracas. Toi, tu veux un petit bracelet. Je te donne. Ah, tiens, il y a ton copain qui vient. Tu vas boire avec lui. Pff, lui, il veut rien, ça m'a saoulé, là. Et yop, la boum. On glisse. Et yop, la boum. Je me demande, c'est quoi les autres mini-jeux? Ah, il faut que j'encaisse les gens. Ok. Toi, tu prends ça, tu viens là. Monsieur, viens danser. Ok. Alors, attends, dis-moi que tu veux un truc. Oh, tu m'as saoulé. Bon, vite, on fait venir quelqu'un. Vite. Dis-moi que tu veux un truc, là. Dépêche. Ouais. Hop, vite, lui, il va perdre son cœur. Et lui aussi, on s'en fout, parce que lui, il voulait pas un objet. Voilà, combo service. Et ben voilà. Magnifique. La souris. Allez. Oh, j'adore les bracelets comme ça, en vrai. Chaque fois que je vais, genre, par exemple,
à la plage. 1, 2, 3, l'été, par exemple. Et bah, je m'achète des petits bracelets comme ça, en cuir ou en tissu, avec des perles et tout, j'aime trop. Non, j'aurais pas dû faire ça, je suis trop bête. Hop là! On glisse. Ok, j'ai raté mon coup de ça. Ah, mais ça, c'est un combo? Tic, tic. Samba de Janeiro. Allez, on danse. Et après, on danse la Macarena. Hop là, ça, c'est mes années. Hein. C'était ma jeunesse, la Macarena. Purée, je suis vieux. Hop là, boum. Allez, on clique. Allez, là, regardez, magnifique combo. Viens danser, ma petite chérie. Ah, tu peux pas? Ah bah, c'est limité. Il y a les trois qui occupent le dance floor, forcément. Toi, tu peux pas y aller. Attendez, on va faire ça. On va faire un combo ultime. Monsieur, dis-moi que tu veux un truc trop bien. Wesh, parfait, on fait ça. Ah ouais, oui. Mais allez, hop. Ouh là là, toi t'es gourmand sur le curaçao là. Hein. Allez, on va faire venir quelqu'un. La petite dame, vas-y, dis-moi que tu veux autre chose. Ah, zut, elle en voulait un deuxième. Vous verrez. Oh bah oui, monsieur, ah bah bien sûr. Alors ensuite, on fait ça. On va le servir, sinon elle va perdre sa patience. Ouais, ok, bah tant pis. 1, 2, 3. Ah bon, il y avait un combo là? Bah j'ai rien compris, hein, parce que je sais pas ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Bah donne-lui ton... Oh madame, la patience a ses limites. Ok. Oh purée, oh j'ai cliqué trop vite, et bah ça a suffi. Magnifique. J'aime. Je valide. Alors voir, ça dégage surtout, ouais, voilà. Allez, hop. Allez, je vais faire du petit cocktail, parce que là, ça va pas du tout. Tiens, monsieur, il est là. Encore un petit coup de cocktail. On va donner à Elle. Et on, comme ça. Et voilà. Aïe! Ouh, purée, j'ai cliqué juste à temps. Et je suis un peu débordé, alors que c'est que le premier niveau de Caracas, là. Caracas, c'est le Venezuela, excusez-moi. De Rio de Janeiro. Oh purée, les dames, ça me patiente. 1, 2, 3, les trois petites boules. Hop, toi, tu viens là. Monsieur va perdre patience. Il va venir à côté de la petite dame. Allez, je te donne le bracelet. Hop. C'est compliqué, je suis perdu. Allez, on fait glisser. Et ensuite, on check. Tchik. Oh là là, déjà. Ok, monsieur s'en va. Ça dégage. Voilà, j'encaisse la petite famille. Allez, on fait venir quelqu'un. Double maracas, regardez ça, c'est trop beau. Et un, et deux. Oh purée, j'ai oublié de servir le monsieur. Mais purée, il y a marqué fin du service en plein milieu. Alors que moi, vous savez quoi, je voulais en faire une vignette. Et bah c'est raté. Les danseurs de maracas m'ont pourri ma vignette. Ok. Allez. On va faire un petit cocktail parce que bon, après ce petit service un peu difficile, je l'avoue, je dois me reposer et boire mon petit cocktail à l'ananas. Ah, t'as pas fini, toi, en vrai? Oh, infatigable, hein, les trois, là. Vous croyez qu'ils changent à chaque niveau? On va encaisser, bien sûr. J'ai aucun bonus, hein, vraiment. Laisse tomber. Trop bien. Ah, j'ai trouvé la souris. Yeah, ah bon, j'ai dû jouer un doute jusqu'au bout, là. Je me rappelle même plus. Karen, il faut que j'avoue, j'ai eu une relation avec Fabio. Oh, dis-moi, quelque chose que je ne sais pas déjà. Tu n'étais pas aussi discrète que tu le pensais. Mais je vais aller droit au but, j'ai une chose importante à te dire. Depuis son embarquement, j'avais l'impression que Fabio clochait. Oh là là. J'avais l'impression que quelque chose clochait chez Fabio. Son visage me rappelait quelqu'un. Alors j'ai fait des recherches et j'ai découvert que c'était un voleur professionnel. Fabio n'est qu'un faux nom. Non, quoi? Il séduit les hôtesses de l'air pour profiter des avantages de la première classe et ne pas se faire prendre à l'aéroport. Tu n'es pas la première à être tombée dans son piège, mais tu seras la dernière, crois-moi. Je me suis fait avoir comme toutes les autres. Il ne sentira pas comme ça. La police est en route, mais il faut qu'il se tienne tranquille. Je crois que je peux m'en occuper. Ouh. Tu vois, je savais que tu retrouverais la raison, bébé. Maintenant, pour nos plans de ce soir... Monsieur, plus un geste. Non mais le gros cliché. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Bébé, dis-leur que se trompe de type. Je ne suis pas ton bébé, Fabio. Désolé, mais tu t'es attaqué à la mauvaise fille. Il a déjà les mains dans le dos, tout va bien.
Ainsi qu'il a l'air de savoir ces choses. Qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais un épisode de plus ou je... Non. Vous savez quoi? Oh, vous prenez 3 photos du Corcovado. Ah, c'est ça, le Christ Rédempteur, le Corcovado? Eh ben écoutez, maintenant qu'on est venu au Brésil, on va faire un petit peu de... J'ai pas assez. Bon bah tant pis, on va s'arrêter là. La prochaine fois, je ferai les 9 épisodes d'un coup. 1, 2, 3. Les 7 épisodes d'un coup, alors je ferai peut-être 4 et 3, comme ça je ménage le suspense. Je sais pas, je verrai. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis, à me laisser un petit commentaire. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder mon compte Utip. Vous trouverez les liens dans la description et dans l'outro de ma vidéo. Voilà, prenez soin de vous et prenez soin de celles et ceux qui sont chers pour vous. Peace out.